Bonjour VOD. J'ai relancé très vite pour que vous ayez la cinématique. Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Parce que nous sommes sur la suite. La morsure qui empoisonne le sang. Non, ça semblait tout va bien. Si loin. Oula, ça c'était des cadavres et tout. Bah c'était bien. Ah ouf, c'est beau, j'ai relancé. Attendez, on est bien. Du coup, on est chapitre 5. Attendez, je mets dans le titre, Nous sommes chapitre 5 de Uplactel. Requiem. On a buté la Provence, apparemment. On va s'attaquer maintenant à Marseille. Voilà, voilà. C'est ce que je comprends. Et bon, disons que les terreurs nocturnes du gamin, ça commence à bien faire, quoi. Tu faisais un rêve. Oui, donc faut qu'il arrête de rêver, lui, hein. Shootez-le un peu, là. Y a un mec qui me fait chier. Ah ouais, tu me cherches, j'ai appelé mon petit frère. Elle fait un cauchemar de ta famille, t'inquiète pas. Ne regarde pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est ton œuvre un peu. Ça ne fera pas partir. Ça changera rien. C'est Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère pense que tu... Non! Sur l'île. C'est là que je dois aller. Là-bas, personne veut aller à Marseille, mais... je plaisante, d'ici je vais aller. J'ai aucun avis sur cette ville. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort, et les gens meurent à cause de moi. Voilà, c'est parfaitement résumé. Je ferai ce qui est le mieux pour toi, c'est promis. Ils embrassent le Marseille tout à fait en témoignage. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer. Ah ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Les nœuds marins, franchement, autant se prendre tout de suite avec. Hein. Là c'est vraiment l'ennui au plus ultime là. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau? Ça n'est pas la même chose. Après, ça sert à rien de l'enfermer en plus. L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, et ça va tuer. Youpi, ouais. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemie, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo, et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce qu'on va avoir un dénouement à la... à la The Last of Us? Je vais jeter un œil. En mode, pour sauver le monde, faut sacrifier Hugo. Bon, moi, j'avoue, j'hésiterai pas, là. Mais, dans The Last of Us, j'étais moins d'accord, mais... Je pense voir le problème. Ouais, enfin, je veux dire, voilà, à faire ce qu'il faut. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en... Je suis pas ton ami, j'ai juste un enfant préféré. Tu peux retourner à l'intérieur, si tu veux. C'est vrai que je la trouve, par contre, trop pragmatique, la maman. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Je suis étonnée que, émotionnellement... On doit faire avancer. Elle n'est pas plus de mal à gérer cette situation, quoi. Oui, vas-y. Et puis qu'elle envoie sa mort, enfin, ouais, que son fils se rende compte que bon, il est condamné, tout ça. Tranquille, on va dire, elle l'accepte, quoi. Et a envoyé Amicia à la mort constamment pour aller chercher deux fleurs ou prévenir un gars quelque chose, bon. Eh ben moi je préférais mon père. Au début du premier on chasse avec le daron il me semble. Enfin on chasse, on se promène, ou je sais pas quoi. Et avec le dogo. Et après il n'y a plus de dogo. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait simplement? Eh bien, on peut essayer.
Et si quelqu'un descendait avec nous, nous aider parce qu'on est que deux enfants? Bordel, y a un capitaine, il est costaud et tout. Ah bah oui, je m'en doute. On est complètement abandonnés en fait. Oui, bien sûr, oui. Vous pouvez pas nous attendre maintenant, non? Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Attends, c'est ça le chemin? On va à l'opposé du bateau hein, en allant par là. Je dis ça comme ça, quoi. Hein. Fais quoi le capitaine Maigret et la mer? Je veux dire, à eux deux, ils ont bien plus de force que nous deux, quoi. C'est trop tard. Mais cette île, Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment? Pas d'encre, le mec? Bah, apparemment. La question, c'est où? Bateau sans encre, sans voile. Et votre mère? Sans canot, ou sans radeau, quoi. Mais toi, tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat. Non, mais c'est ma mère, hein. Genre, au bout d'un moment, si le dilemme est difficile pour toi... Oh, et puis bon, m'énerve tous, hein. Ah, je vais buter tout le monde, je crois. Et puis, hein, plus de débat. Plus besoin de choisir. Ça va? Essayons par ici. C'est calme. Dis donc. Ah, je suis chafouine, là. Oh, oh, c'est quoi mon ça ventre? Pas de panique. C'est juste un cerf qui brame, je pense. Ah, je confonds souvent. J'avais oublié qu'ils existaient. La saison des amours doit déjà avoir commencé. C'est comme si rien n'avait changé pour eux. Le cours de la nature ne dévie jamais. Le chaos qu'on affronte doit en faire partie. Sauf que font la cour, alors que nous, on essaye juste de survivre. Alors que nous, on fait la course à la vie. Repartons. Après toi. Je fais peur quand tu es malade. Non, pas que je suis malade, quand j'ai faim. Moi, ça, c'est le gargouillement de quand j'allais à l'école. J'avais souvent, ou même plutôt collège-lycée. J'avais pas faim le matin. Quand j'allais à l'école, bon, je mangeais quand même, mais après, j'ai arrêté de me forcer à manger le matin. Parce que j'avais pas le faim. La rivière est là. Mais du coup, bah... Ça faisait ça. Les voilà. Du coup, ça faisait ça pendant certains contrôles, quoi. C'est tout de... Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Bon. Ils sont déjà là. Qui ça, eux? Les rats? Oh putain! À reculer, on va faire plus là. Oh. Voilà. Ok. Oh, on est en sécurité, je crois. Ben on est sous le soleil. La chance. Oh. Oui. Au poil. Elle va bien, Hugo. Ils vont bien tous les deux. Oui, mais il y a l'erreur. On sait quoi faire. On a... Hey, vous trouvez pas que la mère, elle est un peu... Oui, c'est bon, elle va bien s'en sortir. Même si je comprends que c'est pour calmer Hugo, pour pas qu'il s'inquiète, pour pas que la macula se soit pire. Par où on commence? Il y a des brasiers de l'autre côté. En fait, faut bien dire à Hugo que si ça va, si je vais mourir, c'est de sa faute en fait, non? Hein? Faut peut-être lui expliquer ça. Pourquoi je lui explique pas? Elle devrait bien brûler, mais elle brûlera vite. Et ça c'était pour le fun. Alors, faut que j'aille où après? Faut que j'anticipe là. Arrêtez. Ah bah faudrait juste que j'escalade. Oui. Oh. Bon, c'est un début. On est encerclé. C'est vachement efficace, ça le calme super bien le gamin. Bah ça se voit, ouais. Tu m'étonnes. Merci hein maman. C'est une kill toi. Celle-ci a une manivelle. On devrait tenter le coup. Tu les vois pas? C'est qu'ils sont en vie. La paille bouge. Oui, ça pourrait. C'est qu'ils sont en vie, mais ça fait 2 ans que je les vois plus. Ils sont très en vie depuis 2 ans. Comme d'hab, j'aurais dû le. Bon, comme d'hab, c'est. Il doit y avoir un contrepoids. Bah, c'est toi qui dois m'aider. Toi, utilise ta fronde. Oui, vas-y, alors utilisez ma fronde, bro, tu me fais bien plaisir. Vas-y, fais des trucs. Là, faut que tu fasses ça. Lucas, à toi de jouer. Bien. Tu as vu ce trou? C'est donc inscalable. Ils ont détruit une ville entière. Mais ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Putain, c'est chiant quoi. Dès qu'il y a un drama dans sa vie, le monde se détruit. Ça va être compliqué, hein. Putain, comment ça va être à l'adolescence?
Je vais du mauvais côté. Je suis du mauvais côté. Ah, je panique. Attends, je panique. Donc je passe où? Mais ça m'aide zéro en fait. Bah c'est chiant s'il faut que je passe là en fait, ça sert à faille. Attendez. J'analyse. Me disais pas. Faut vraiment que je mette un truc. Ça va, tu tiens? Hmm. Ça doit être ça, hein. Re la biquette russe. Bon bah je fais, hein. Je dois aller en face, hein, mais c'est que bon bah je suis limite en fait, c'est chiant. Genre là je vais mourir. Attends, mais arrêtez, c'est chiant. Mais je suis dans le feu. Mais je suis sous le feu. Mais what the fuck. Non mais attendez, là il y avait un bug. J'étais littéralement sous le feu. Le feu était bien plus fort que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas non? Oh, il y avait un autre coffre ici. Le feu s'est éteint. Oui mais là il était allumé encore. Peut-être arrêté, hein. Ah, le feu était complètement allumé, ça m'énerve. Bref. Fais ton truc, toi. Occupe-toi de ça, Lucas. D'accord. Ça fonctionne. Pourquoi elle prend pas une torche? Bah, y'a pas de torche en fait. Ça pourrait nous permettre de passer. Tu abuses trop. Ces dentistes sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Alors. Oh, la paille ne suffira pas. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Peut-être que je fasse le truc comme ça là après. Ok, attends, si je fais ça. Et après que je fais genre ça. Je suis trop maligne. On va y arriver. Il y a une autre grue. Je pense pouvoir t'aider à traverser. Oui. Attends, je loot. La botte de paille vers moi. Je devrais pouvoir l'allumer. Ah mince, j'ai lâché. Tout ça juste pour atteindre Marseille. Mais tout pourrait s'arranger là-bas. C'est pas le cas. Et Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi il ressent ça. Même le Marseille, il y croit plus. J'y suis. Bloque là, ici. D'accord. Je bloque. J'arrive. Allez, on peut continuer. Oui, oh, tu erres, hein. Bon, là on fait une pause, hein. Il faut vite que je me de m'embêter, hein. Elle est perdue, Lucas. Oh, les rats, ils font des colonnes. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. Improbable. Utiliser cette grue. Bien. Ah, il faut que j'utilise la grue. Alors. Faut que j'aille où? Ah, là-bas. Lucas, c'est pour toi. Tout de suite. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. Ah oui, c'est ça. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Allez, vite. Oh là, mais elle est trop lente aussi, la petite, là. Attrape ça. Ah, j'ai dit. Va jusqu'à l'escalier. C'est quoi, ça? Mince, j'ai fait B. Ça durera pas. J'ai fait B sans faire exprès. J'ai fait B en agitant le truc. Zut.
Oui, bon, hein, voilà. J'ai paniqué, hein. Cela peut arriver. Tiens, fais des trucs, toi. Il troll. Bah non, j'ai ripé, tu vois la manette. Alors, bon, c'est facile de tromper de touche, vu que c'est proche. Allez, je t'ai dit, fais ça! Nul. Bah non, j'ai juste ripé, hein. Tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. Pas la peine de... Pas la peine de lâcher tout votre complexe de supériorité parce que j'ai ripé sur un bouton. Hein. Vraiment. Hein. Let's go. Maintenant. Complexe. Plus qu'ego. Attrape ça. Frappe le sol avec. Va jusqu'à l'escalier. Oh, c'est quoi ça? Vite, ça durera pas. Arrière. Let's go. Je regarde, tu vois, c'est ça, Jamicia. Bah c'est ça le problème, c'est qu'elle n'aura pas le droit d'avoir une vie en fait. Il faut qu'elle s'occupe du gamin. Constamment! C'est vraiment un enfer! Complexe, oui, des supériorités, non? Ah oh bah là, c'est le cas! Hein. Tiens bon, Lucas! Rien de presse! Il ne remonte pas jusqu'ici! Bon! Alors, je fais ça, mais pourquoi? En fait, j'ai juste pour voir jusqu'où ça va, mais je vais devoir lâcher tout de suite! Ok, et après? Ça passe où exactement? Là, tout lentement. Et après, faudrait que j'escalade. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, et là, je peux pas sauter. Ok. Très bien, très bien! Bon. Alors, je prépare. Truc feu, tout ça, c'est bon. J'ai plus rien, j'ai plus de matos, j'ai l'impression. Mais allez! En fait, il demande Y pour appuyer. Et du coup, je reste basiquement appuyé dessus. Mais non, faut faire Y, puis re-Y. Et là, ça fonctionne. Je me suis... C'est pas le bon ? Si ça marche. Allez, allez ! Non ! Non, 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 faut courir ! Punaise, je vais toujours courir avec B. Et ça, ça vient de d'Elden Ring, je crois que c'est comme ça, non ? Non, mais tu restes là, toi, t'es... Hein ? Allez, on a eu du bon temps. Bon. Faut que je le fasse venir, le gosse. Comment que je fais ça ? J'envoie une torche, tout simplement. Ça fera l'affaire. Bon. Oui. Beau lancer. Belle réception. Bon. À moi. Moi aussi, je prends un bâton. C'est pour te soutenir. Tu peux y arriver. Continue de courir. Oui. C'est juste des rats. Hein. Mais on en voit depuis le début de l'aventure. Hein. Alors. Ouais, des torches, bah à l'autre bout, oui. Merci. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais moi j'étais là-bas. Il y en avait pas. D'ailleurs, pour ça que je l'ai envoyé à ce jeune homme. Et mais s'il y en avait pas, en fait, c'était pas le même endroit. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, en fait, on a une autre batte de paille. En fait, disait le truc. Et on court. Et c'est pour ça. Sinon, j'aurais pas dû en envoyer. Bon, ils sont fous du coup. Faut que j'arrose ça. Non, j'ai pas de feu ici, ça m'énerve. Faut que j'utilise mes matériaux. Je veux pas utiliser mes matériaux. Bon. Bah je lâche. Je dégoûte, mais je lâche.
Il y a du matos là-bas. Alors si je fais ça... Attendez, je vois si... Voilà. Ok, c'est bon, j'ai tout d'avance. Comment je peux faire la tour? Là, il y a du loot, attends. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tranquille, tranquille, tranquille. Ah oui, il faut que je casse ça. Bien petit. Aucun effort! Aucun putain d'effort! Ah, faut que je renvoie, c'est ça? Allez, je te renvoie des trucs. Eh? Tiens! Pourquoi il répond plus? Faut que je fasse tout ça depuis l'autre côté, c'est ça? Ça lui plaît pas que je sois là? Attendez, on va loot avant. Oh, c'est quoi ça? C'est un petit pot? Oh non, c'est des munitions. Des bisous, Minj. Merci d'être resté jusque là, c'est sympa. Bonne nuit à toi. Allez. Aucune idée de ce que je suis en train de faire. En fait, il réagit pas, c'est chiant. Voilà. Alors, faut que je lui envoie peut-être d'ici. Hey gamin! Bon. Bon, ça, j'imagine qu'on ira après alors. Il bug complet. Je peux y dire de venir? Bon bah je vais recommencer alors hein. Tout faire hein. Maintenant. Mais tout à l'heure il y avait plein de feu hein, t'aurais pu passer avant hein. On a réussi. Ah fait des murs de rats dégueulasses. Merci. C'est assez ça perturbant je dois avouer. Je crois. On est tout proche. On en est où? Je sais. Bien, on y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'Ordre aura mis la main sur lui, ce sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Vaudan. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Je pense que c'est ici la suite, mais je suis pas sûre. Il y avait ce passage, c'est pour quelque chose. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je monte ici. J'avais pas fait gaffe. Vas-y, fais des trucs. Bonny Grisou, à ce plus. Quoi? J'ai eu peur. Moi aussi. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Ouais, désolé, ouais. Sauf la façade, toi. Il y a toujours une ma mère me déteste. On va s'en occuper. C'est pas trop d'un bac. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Peut-être de l'autre côté? Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton! Quelque chose doit entraver la chaîne! Comment on va descendre là-dessous? Je sais pas, on neige non? En suivant la chaîne, je veux dire. Ça va? Fatigant, mais ça va. Passe. Ah, ça passe. Ça va.
Et s'il faut que je foute du coup, faut que je passe grâce à un bac. J'ai pas vu de bac. J'ai pas vu de bac en fait. Ah, il faut que je lui demande de peut-être le faire ça, c'est ça? Vas-y, tiens. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Naturellement. C'est coincé. Peut-être de l'autre côté? Ce bac pourrait m'y emmener. Mais ce bac, je vois pas ce bac. Ça m'énerve. Elle dit ce bac, quel bac? Il y a un passage dans les planches là. Ah là, c'est un bac? Oh rien. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Bah fais un truc toi. Lucas, tu dois le faire. Bien sûr. Je descends. Sois prudent. Oh, what? Ouais. Non. Ok, il y a des cadavres partout. Ça va aller. Pardonnez-moi. Mais pourquoi passer forcément plutôt que de descendre directement là en fait? Je comprends vraiment pas. J'ai pas le choix. Pardonnez-moi. Il faut que je le fasse. Bon appétit. Eh, vous voyez des cadavres, vous pensez à les manger. Vous êtes bizarre, hein. Oui, pitié. Reviens. Oui, j'arrive. Ça devait être horrible. Oui. Oh. Tout va bien? Oh. Prête? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. Let's go. C'est bon, arrête. Tout de suite. Désolée, Amicia. Maintenant elle pue. Ah oui, mais bon. En vrai, entre les rats, les cadavres qu'on voit tout le temps et tout. Ouais. Tu n'y es pour rien, mais si, c'est ta faute! Pardon. Magister Vaudin. Oui, bah ça, je te comprends. Je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Oui. Son île, pas maintenant, Amicia. Très bien. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Je vois un loot! J'attends le loot! Laisse-moi analyser la situation. Oh! Alors! Faut que je pète des trucs avec ma. Avec ma fronte. Oh! Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Une caisse? Je veux passer? Mais je veux passer moi! Attendez, je vais essayer de passer. Comment je vais de l'autre côté? Alors je vais lever un peu la tête. Il y a quoi là? Ah ça y est. Ça pourrait marcher. Ah maintenant, enfant détesté. Ouais. Putain, j'avoue, elle me rembarre tout le temps. J'ai juste failli me faire écraser. Ouais, ça. Va le pire truc que j'ai vécu en vrai. C'est parti, mais les pontons aussi. Je vais m'arriver aux écluses du pont. Ouais, bien sûr. Tu peux y aller? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention. Sois prudente. Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le au moins. Je veux doute, moi. Calme-toi. Concentre-toi. Ah, je peux pas l'ouvrir, ça me dégoûte. Ah, ça dégoûte. Michel, tu parles toute seule. Ouais, bah elle est chafouine, elle est chafouine. Elle est chafouine, petite, là.
point des loot là-bas, mais attendez, il y en a que j'ai raté là. Quoi ça? Je vais boire du jambon alors. Peut-être monter là? Non. Je me suis dit que je pourrais peut-être monter sur le toit. Je sais qu'il y a un truc là derrière. Là-bas là. On le voit d'ici. Putain, laisse-moi passer le jeu. Je pouvais peut-être passer maintenant. Je vais retenter là-haut. Elle a pas trop le choix en même temps de parler toute seule. Disons qu'elle a de moins en moins de... Ouais. De gens qui la comprennent, moi j'avoue. Ça dégoûte. Attendez, je vais repasser en dessous, je vais voir s'il n'y a pas un truc qui s'est ouvert et que j'ai pas vu. Ah mais voilà, je suis pas repassé en fait, j'étais pas allé là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, ça c'est bien ça. Voyons ce qu'il contient. Mais j'ai pas trouvé un outil. Ouais mais j'ai pas trouvé de ciseaux. Pas de ciseaux. J'ai pas trouvé de petits couteaux là. Bon sang, comment je traverse ça? Encore un sacré pétrin. Calme-toi. Tu es bouleversé. Et tu sais pourquoi. Lille. Tu verras ça plus tard. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Faites pas un câble, commence pas à virer dans la schizophrénie tout de suite, ce serait dommage. J'ai déjà monté à cet échafaudage-là. Ça me saoule, ça, je comprends pas comment on le tourne. Parfois il tourne super bien, parfois il tourne très mal. Créneau, c'est relou. Ah, surtout, pas de rétro, quoi. Alors. On était là pour aucun loot, vraiment. Parce que je me doutais que c'était pas le chemin, hein, mais je voulais du loot, quoi. Vraiment? C'est un truc à ouvrir ça. Ah, je vois, je vois. Putain, je peux pas lever la caméra assez. Comment ça, dis donc? Dis donc, le jeu t'es un peu filou. Let's go! Bon, il y a un truc bien là. Ah, il y a un passage. Ok. Waouh. Attendez, c'était la vraie solution ça? Non. C'est juste pour un loot. Ah oh bah c'est super. J'ai un beau panorama là. C'est tout? Attends, j'ai que ça? J'ai qu'un accès à cet arbre à la con? Ah, des fleurs! Salut toi, petite naufragée. Super! Désolée, mais je vais avoir besoin de toi. Bah non. Tout ce qui peut lui redonner le sourire.
Admire la Provence en feu. Finissons-en. Vous êtes infernaux. Installa dans le bateau. Anicia! Bonjour Crop Circle! Vous arrêtez jamais. Mais de quoi? De commenter le jeu? Ouais, c'est un peu le principe quoi. Hello Crop Circle, raté Infernalou. Il a une grande famille infernale. Les infernaux on les appelle. Ok. Bien, une étape franchie. Hop. Bon. On va voir. Je veux pas le manquer des loot. Merci Nel. Lucas n'est pas avec vous. Vas-tu? On l'a perdu de vue. Bah super, non mais vous êtes vraiment nul. Je fais ça, je sais pas pourquoi. Eh franchement la Darren par contre aucun effort hein. Non bah tu. Oups, on a pas vu. Elle m'énerve hein, elle m'énerve. Ah bah c'est que je vais le voir le gamin et je vais le faire passer César. Encore un chariot. Tu fais comment pour le perdre? Je sais pas. Aucun effort probablement. Ah oui d'accord. Mais arrêtez enfin. Ah pardon. Ah mais je peux plus passer moi. Eh ben non. Bon. Bah je vais faire ça. Hop là. Je vais faire un truc avec ça? Non, bah, c'est pas ça le truc à faire alors. Je réfléchis. Twitch Prime, Twitch Prime. Oui, c'est vrai que ça fait la couronne au Prime. Oh, mais ça, j'avais pas vu ça. Du dos. Je devrais pouvoir revenir maintenant. D'accord. Understood. Ah, attends, une interaction peut-être à avoir. Elle fait vraiment zéro effort. Hein. Elle a juste dit Lucas. Tu peux le faire. C'est rien qu'une autre épine dans le pied. Ok, je suis d'accord. Hop là. Let's go. Non, mince. Viens ici. J'ai besoin de toi. Bon, j'ai dit, voilà, faudrait que je le bouge évidemment, il était bien tout à l'heure. On est reparti! Mais c'est que je pensais qu'il fallait que j'attende de voir Lucas et que peut-être c'était lui que je devais faire passer, que c'est lui qui m'aiderait à escalader, mais non, j'avais mal compris. Non mais du coup ce petit blocage nul là, dis donc. Ça devrait marcher. Bi. Je possède le seum. Mais pourquoi t'es semé? Que t'arrive-t-il donc? Bien, trouver une île. Comment tu vas? Seum 41. Un album, tu parles de, on parle de son. Mais tu n'as pas été semé, nous passons un bon moment. Ou alors c'est pour autre chose et dans ces cas-là.
a bloqué complètement. J'ai tourné la vue, ça a pas aimé. Yoxler ! Allez. Et allez. Ouais, ma fille a fait un cauchemar, la ville a disparu. Putain, si t'avais pas fait la fête, j'aurais fait. Bon, il est où le gosse là ? C'est pas vrai. Bah, il se fait taper, hein. J'allais boire un coup, mais là, il va avoir un. Trop bien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne le touchez pas. Qu'est-ce que vous dites de ça? Lucas, est-ce que ça va? Oh, c'est trop cool. Je tremble comme une feuille. Merci. Il y a trop de draps. C'est même pour diriger les charrettes, t'es vraiment en fraise dans le jeu. Bah c'est cette fois, je le comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi parfois c'est très fluide et parfois non. Sur la pointe de tes carreaux. Vise un morceau de bois. Comme ça, il devrait continuer à brûler. Compris. Ok. Lucas, je te dirai quand la voie sera libre. Compris. Je commence à voir un chemin. C'est bon, tu peux venir. Oui. Bravo. J'arrive. Est-ce que ça va? Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était ah la terre tremble. Non, c'est moi, j'ai pété. Non, mais il y a des boniaques ici, t'as pris. Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Eh. Partons, vite. Oh putain, trop bien. Oh, ça va être cool. Vas-y, essaie. Oh, ça va être marrant. Y'a bisous. Bisous. On fera du coup du RP demain. Je ne vois rien en fait. Ah mais non, mais je vise les cibles. Tellement endoctriné. Je vois des cibles, je vais dedans alors que c'était au-dessus des... Bref. Non mais dirigez un peu mieux là, moi je peux pas tout faire hein. Tu putain quoi. Oh, il en reste un. Zut. C'est tant pis. Voilà, ils sont tout bloqués. C'est bon, là, il y a personne en vie, là. C'est bon. Voilà, je tire. Bon. Ah, faut que je mette le feu. Let's go. Ça a tiré n'importe où. Ça a tiré littéralement ici. Vous avez vu où est-ce que ça a tiré? Ah, il y avait un truc à casser. Attends. Let's go. Ça va, je suis touché. Je suis seul à bosser là. Merde. Mais si elle louche, mais là elle a même réussi à faire un move qui était un petit peu anti-gravité quoi. Allez, j'appuie sur ce truc, ça voulait pas. On ressemble du coup. Voilà. Non! Pour vie, je m'amuse là! Je me gagne! Aimbot, oui, c'est la manette en fait. Puisque je joue à la manette, vu que c'est plus agréable de manière générale, je trouve, ce genre de jeu. Mais les phases de shoot ont une aide à la visée, ouais. Après, bon. Qui voulait galérer sur les fights? J'aurais joué en difficile, hein, j'avoue. Ah, ils sont trop malins. Par contre, avec quoi ils balancent l'encre comme ça? C'est très 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 lourd. Oh.
trop bien! Ah bon? À couvert, comme ça. Ah oui, là je suis à couvert. Non, 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 pas. Ah, je voulais loot. Tu ralentis, ça m'énerve, je sais pas pourquoi. On récupère les carreaux. Oulala, je me cache. Ouah, je me suis trop bien caché. Allez. Ah mais j'ai récupéré un truc, ça a pas marché. Bah je récupère et ça ne marche pas. Dégoûte. Allez, elle veut plus. Putain. J'ai loot deux fois, mais ça m'énerve, je loot plein de trucs, ça marche pas. Allez, je me casse, j'ai pas le choix. Il me faut du matos. Bon bah non, tant pis. Ça veut pas. Mais là j'ai eu un petit souci. J'ai appuyé sur Y sur tous les cadavres pour récupérer, ça ne marche pas. Enfin genre ça a rien récupéré. What the fuck? Voilà. Est-ce que là j'ai eu des trucs? Oui, c'est bon. Non, fais... Voilà. Ah! Un nombre limite de flèches sur moi, c'est ça? Genre je peux en avoir que deux à la fois peut-être? Ouais, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être que... Ok. Que ça sert à rien de looter en avance en fait. Ouais. Ah oui, je peux en avoir que deux. Oh putain, quel enfer. Ah, je peux la prendre. Et là, je peux faire ça du coup. Allez, loot. Je vais t'étrangler avec des tripes. Oui, venez. Je vais te montrer. Tu dois tenir. Occupe-toi de lui. Allez. Oh mais merde. Tu es un mec, tu joues toi, mais si tu tues un mec un peu loin, c'est foutu quoi. Genre ceux qui sont un peu loin, là, qui sont en hauteur. Pourquoi t'en proposer 40 sur le chemin? Écoute, bah en fait, il y en a plusieurs que je peux pas loot. Ah là, ça l'a pas tué. Ah, c'est terrible, c'est affreux. Que là, je peux. Là, par exemple, j'ai pas looté. Ça a rien fait. Ça dégoûte un peu. Faut que je fasse gaffe. Excusez-moi. Je vais me concentrer un petit peu. Ça va être comme l'autre passage dans l'arène, là. J'ai envie de limite de prendre que mon arbalète, en fait. Que mon arbalète, en fait. Allez. Oui, venez. Je vais vous montrer. Ah, j'en ai plus là. Non, je fais pas ça que je veux. Oh, c'est pas grave. Occupe-toi de lui. Non mais attends, mais ça veut pas. Mais casse, je veux changer d'arme. Voilà. Putain, 3 jours pour changer d'arme. En fait,
Je voulais changer d'arme avant même de commencer à viser, c'est pas possible. T'es obligé de t'équiper de l'arme pour la changer en fait. Ce qui est un peu bizarre. Donc j'ai essayé de looter, j'arrive pas. Non non non, j'ai fait A. C'est parce que ça m'a mis A en gros, mais c'est Y pour looter. Putain de sa mère. Allez, voilà, allez. Allez, allez, on va y arriver hein. C'est pas... Non, c'est pas ça que j'ai fait. Non, chaud. C'est ça que je voulais. Putain, mais ça... Ah, je comprends rien à ce que ça fait. On est d'accord que j'avais la flamme, là. Et ça a mis un truc chelou, mais c'était pas... ça a pas du tout mis de feu. J'avais la flamme de sélectionner, je suis pas folle. Oh, c'est fatigant. De se battre avec l'interface. On est d'accord que j'avais la... Voilà, je suis pas folle. J'avais bien la flamme de sélectionner. Allez. Le jeu, t'as changé la munition. Mais oui, voilà. Ça rend ouf. Oui, venez, je vais vous montrer. Allez, on prépare. Et... je t'en supplie. 3 jours 45. Je vais même pas récupérer ça. Bon, pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je loot, je m'en fous. Vous coupez les cordes, c'est ça. J'imagine qu'avec ça, c'est un peu. Ouais, faut que je monte. Ok. C'est là que c'est meilleur. Oh, mon merci, hein. Je peux pas monter. Non, je peux pas monter. Let's go. Allez, on y va. Merci! Merci beaucoup! Pas si vite! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'aurais pris une épée d'un des gars que j'ai tué par exemple. Mais c'est pas grave, pas grave. Ça, on comprend. Oh bah super, super équitable hein. Je tue une armée avec ma fronde, c'est pas déjà assez? Je vois pas où je fuis, je vois pas où je fuis, je vois pas où je fuis. Je m'en doutais, il y avait un petit chemin ici. Non, non, allez au diable. Alors quoi? Je croyais que tu voulais mourir. Hein? Ah non. Non, je ferais pas tout ça pour survivre en fait. C'est du crétin. Oh. Je t'aurai quand même. T'as besoin de t'es trop... Tu peux pas passer? Il pouvait passer là. Moi j'aime bien ce petit endroit tranquillou. Profite un petit peu. Allez c'est parti. Jolie grotte. Oui, j'aime beaucoup moi aussi. Non,
Mais tu veux pas me tuer, y'a ma mère dans le bateau, tu es là à ma place. Elle m'aime pas de toute façon. De toute façon, elle fait nawak, elle comprend R là. La daronne. Je dois atteindre le bateau avant lui. Dépêche-toi de bouger, tu dois l'arrêter. Fais quelque chose. Oui, bah, il peut pas tout faire, hein. Ça, j'ai pas trop de bruit dans l'eau. Il est ok. Oh mais c'est les corbeaux aussi, ils me poucavent là. Je suis trop loin. Si tu les touches. Plus vite. Chopez-la. Reste où tu es. Oh, alors on joue plus. Vous. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Non, 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 pas, pardon. Il faut l'aider. Énerve-toi avec tes rats. Oh ouais, les rats. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo. Regardez ça. Voilà tes renforts. En effet. Trop stylé, eh, franchement ça défonce. J'aime trop. C'est pour ce genre de passage qu'on joue à ce jeu. Ça défonce. Elle fait zéro effort la daronne. Ah oui, là. Elle est complètement inutile. À part foutre la merde. Remontez. On n'a plus beaucoup de temps. Bah non. La daronne. Croix dans mon mode. Non. Amicia. Ah, ils vont pas venir. Amicia, mais qu'est-ce que tu fais? Au revoir, mère. Amicia, pourquoi? Ah ouais, carrément, elle a vraiment zéro aucune confiance, zéro confiance en sa mère. Zéro. Ouais, ou aucune, j'ai dit zéro aucune. Elle a tellement pas confiance en sa mère qu'elle dit au revoir, mère. Bisous, bye bye, à plus. C'est fou. Je pensais que ça allait être qu'une fois à Marseille qu'elle, qu'il allait se passer encore un truc et qu'elle dirait adieu. Toi et moi. Allons trouver ton île. Ah, écran blanc dans la gueule. Ah. Pourquoi? Ils savent pas naviguer en bateau. Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. Oh, petit cours d'eau bien sympa. C'est trop joli. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île au dedans. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture. Au laboratoire. Ouais, j'en peux plus aussi des écrans blancs. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, d'accord? Oui. Oh non, il va tout me maculer là avec sa macula là. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. C'est beau.
comment je kiffe. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Regardez, maman cette va forêt. Être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais... Ne on s'en fout un peu au pire, hein. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Allez, j'avance un petit peu plus vite. Mais c'est vraiment trop joli. Oh! À quel moment les rats vont exploser tout? Regarde ces belles fleurs. Oui. Ce qu'on a raconté de Bordeaux, c'est les Landes, tout ça. Ah, bleu cipo, bleu cipo. Oh. Mais et si leur bateau coule? Hugo. Est-ce qu'ils savent nager? Bah non, la mère, elle est pas morte. Promis? Oui. Attends. Me spoilez pas, hein, si vous savez je la suite. Hein. Que je peux l'attendre avant s'il toi. Vous plaît. Maintenant. Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1. Hé hey. Toi, t'es qu'un poulet. Oh. Oh non. Ça saigne encore. J'ai gagné. Ça va passer. Elle n'est pas le jeu, t'inquiète. Ah ok. Parce que c'est très possible en vrai, c'est pour ça. Déjà dans le premier, au début, on pensait que notre maman était morte. Tu t'es fait mal? Non. Oh, regarde. Quoi? Faut que je fasse un truc là ou... Ah. Ça c'est vraiment une belle plume. Elle est plume de faisan. Et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Regarde, un bâton. Oui. On cherchera. Et regarde, il y en a un caillou. On trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. Non. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. Trop joli. C'était je faisais un petit panorama, c'est à... Ça fait pour Dyke. Ça fait encore mal. Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Ah oh, non. La prochaine fois, je t'écraserai. C'est grave stylé. Excusez-moi, je kiffe ces décors là. Je jume. Presque la senteur de ces champs de fleurs. Oh, tu entends ça? C'est quoi? Des chants. J'ai récupéré des fleurs. Péril de ma vie pour rien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce que c'est? Un marché? Non, on est trop loin d'une ville. Ça pue la secte, ça. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Ah. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur Perreux connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Maintenant, vers cet endroit inconnu avec un gosse qui flippe pour rien. J'avoue que punaise, il a pas intérêt à avoir le moindre pic de stress ici, hein, parce que eux, ils sont tous morts. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Trouvons le Perreux, là. Attention les enfants, doucement. Alors attention Lucas, ne flippe pas des poules s'il te plaît. Puisse le temps rester clément. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez viens.
comment ils font pour installer tout ça alors qu'ils sont en pèlerinage? Genre ils transportent des tables, des chaises et tout. Peut-être. Regardez tout ce qu'il y a comme truc. Des milliers et des milliers de pèlerins. Tu qu'elle allait dire ce sont le rat mort. Non mais please. Bonjour. Le ragoût. Non mais faites ces choses avec le rat quoi. Vous avez tous pensé à la même chose. C'est incroyable. Chut. Oui. Gueule. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage. Car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres. Je pense qu'il faut que j'attende. On va regarder. Et reçoit les prières des plus faibles. Amen. Amen. Un vigile à la masse. Vous oui, c'est un peu ça, oui, merci. Complètement. Amen. Pardon ? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah, allons lui parler. Mais c'est pas sûr que ce soit fini, là. Ah bon. Allons interrompre. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici. Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous ? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est elle a quoi, deux dents ? Une île avec deux grandes montagnes. On ah, d'accord, oui, nous ok. Aider à la trouver. Non, mais il est pas clair je le gosse là. Un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil ? Oui, merci, ce serait parfait. Bonne journée. Ah, des problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller. Je vois la culpabilité Allez. Dans tes yeux. Mais quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Putain. Il a pris la décision tranquille, hein. Il sait pas dans quoi il engage son truc, hein. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe ? Faites place ! Sortez de vos tentes ! Bah, il faudrait un petit... Il me faudrait une robe de pèlerin, là. Parce que là, bon, avec mon énorme balade dans le dos et tout... gamin à la main... Nous sommes de bons chrétiens. De nouveau venus dernière. Attention ! Des intrus ? Des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Non mais vraiment. Ils vont tout raconter. Non, mais... J'espère que vous vous rachèterez. Je suis pas armée, se balader avec une arbalète. Si grande que son frangin, mais complètement. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas, on est tellement nombreux. Alors, et là, il y a un mec qui se retourne, il fait... Ah bah c'est un des pèlerins. Bah, ils sont derrière vous, monsieur, en fait. Parce que non, les pèlerins, ils sont pas au courant qu'ils vont me cacher. J'arrête avant d'être vu. Avez-vous parlé à ce groupe ? Tais-toi, enfant. Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait ? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu ? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia ? Pas encore. Attends son signal. Salut, tu veux du fromage ? Soir, il est incroyable ce jeu. Profite bien. Oui, il est très cool. Venez, calmement. Allons-y. Le premier était déjà très bien. Honnêtement, c'était déjà une tuerie. Vous avez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas. Je peux pas partir à cheval. Partons loin d'ici. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp. Étendez les recherches. Oh non, vite. Vite quoi? Je dois aller vers où en fait ? Je dois aller là-bas. Je peux me cacher après. J'ai les poules ! Oh bijou, mais oui ! Je vais prendre un bijou ! Je prends des bijoux avec moi. Ouais, bon courage, tu veux du fromage. Bah dis donc. Oh. Oh. Wouah. Ah non, le gamin, ça y est, il va faire imploser la région. Amicia.
Dépêche-toi, on doit partir. Oui, oui. Oh, ça tourne. Ta main. Tu saignes encore. Bah oui, mais bon. Pas besoin de courage, juste de patience. Je comprends. C'est bien dit. On doit partir. Oui. Il faut qu'on avance. Où on est? Oh. On dirait une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir. Je ne sais pas s'il y a un autre chemin. Cette île de roche, elle me dit quelque chose. On ne doit pas. Je sais pas. Mais je saurais pas dire. Tu as vraiment tué des soldats? Oui. Je saurais pas dire ce que ça me dit. Si ça existe pas. J'avais trop honte. Allez, reste concentré. Oui, bah tu te doutes, mec. En fait, tu crois que je suis arrivé comment? Hein? En négociant gentiment? Oh, bordel! Attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. J'entends rien non plus. Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûr de toi? Oui. Ah bah ne super. T'en fais pas. D'accord. Sois prudent. Crée une connexion. Oui. Je les vois. Waouh. Ils sont là. Des soldats. Attends. Comment? Les rats. Ils sentent le sang des gens. Moi aussi maintenant. C'est comme un bruit. Ou un écho. Alors ils sont où? Pas loin. Ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord. Allons-y. Prudemment. Ouvrez-la, les soldats. Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Ils sont piégés. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Ah, commence pas avec les... Cela se fera. C'est le capitaine que tu devrais prendre. Oui, mais cette vision de l'aigle, maintenant, tu l'as dans tous les jeux depuis... Depuis le premier Assassin's Creed. J'ai looté. Ah. Je reste à couper. Moi, je crois que je vais réussir à me cacher. La biquette russe, ça par contre. On va s'en inquiéter. Très très limite. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ils sont loin. Pour l'instant, concentre-toi bien sur eux. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. Qui c'est? Un des chiens de guerre de la muraille? La muraille n'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Merde. Arrêtez-les. Merde. Allez, go. Raté! Non, non, mais avance! Je sais pas où est la sortie, mais j'imagine que c'est là-bas. Allez! Ah non, là c'est foutu. Je pense qu'il faut que je passe que en n'étant pas repéré. Elle a tué des soldats aguerris. Qui c'est? Un des chiens de guerre de la muraille? La muraille n'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Il faudra brûler son corps. Va au diable. Lintern. Oh merde! Je regardais le chat, merde. C'est votre faute, hein. Non, dis-moi. On se disperse et on les attrape tout de suite. Voilà. Ah, ça va aller. Ça va calmer. T'as qu'elles sont cool ces émotes.
Let's go. Oh merde. Merde. Salut Samus Replay. Merci beaucoup pour le raid. Là c'est un souci là. Non mais je veux pas gâcher mon couteau. Oh non, je l'ai gâché. Hein. Ah, il savait où j'étais. Bah on court hein, là tout de suite, j'ai pas une solution. On va recommencer. Hein. Cri de raid. C'est pas moi qui vous insulte, c'est Cartman. Il a des goûts compliqués. Salut Kikis. Non, c'est Kikix. Alors, je vais faire le truc. On va tricher un peu. Je vais prendre ce qu'il y a dans le coffre, puisque loot avant tout. Et bonsoir, Queen Max Maypill. Non, y'a rien. Pas vrai. Merde, c'est pas par là! Ah, par contre, y a un pot ici. On se déploie! Cherchez-les! En avant! J'ai pas fini le jeu donc je ne puis rester parmi vous. Ça marche, pas de soucis, effectivement, ne te spoil pas. Mais c'est gentil de passer en tout cas. Ça va? Comment s'est passé votre live? J'ai pas vu sur quoi t'étais, Samus. Je sais que t'as été beaucoup sur Valheim ces derniers temps. Je sais pas si t'étais encore ce soir. Ah, Steel Rising! Mais oui, Steel Rising, qu'est-ce que je dis? Enfin fini Steel Rising. Je sais pas si j'accrocherais. Mais c'est vrai, je t'avais vu depuis un petit moment sur le jeu, effectivement. T'as bien aimé? Tu trouves que... Tu trouves que le concept vaut le coup? Trop long. Ah. Tu as trouvé trop long? Ok. Merde! C'est quoi comme jeu? Un jeu où on est un robot... Enfin plutôt un... Comment on appelle ça? La différence... C'est pas vraiment un robot, c'est un truc mécanique quoi. Merde! Un automate, voilà. Qui garde dans la garde de Marie-Antoinette, voilà. On est un automate qui fait partie de la garde de Marie-Antoinette. Je suis dans du gluant. Oh, c'est mort. Un Samo et robot? Quasi. Je m'en vais. Je voulais pas... Non, mais je... Voilà. Ça marche. Au revoir. Bisous à tous ceux qui sont bons. Merci beaucoup pour le raid. D'être resté et d'avoir parlé très lentement. Oui, c'est vrai qu'après, c'est pas une grosse production comme jeu, donc en soi... Qu'il y ait des manquements, ça se comprend tout à fait. Salut Bernatore. Oh, il y a un coffre. Non, mais vous êtes chiant, il fait... Le temps que... Franchement, le temps que... Il est en train de marcher par là, le temps que je sorte, il était déjà en train de faire demi-tour. C'est quoi cette manière de faire le sentinelle? C'est pas comme ça qu'on fait, hein. Oui. Je vais buter, je crois. Marre. Là, ne les laissez pas.
C'était... Ils sont partis par... Ils sont là. Les laissez pas. J'ai raté. Ah ouais, elle a vraiment un trauma, elle. Amicia. Oh, laisse-moi respirer. On devrait attendre, Amicia. Non, ils nous trouveraient. On doit attendre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus sûr. Il y a des missions? Rassurons. Signalez par ici. Fouillez partout, trouvez la sorcière. Ils abandonnent jamais. T'as loupé du loot. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis full dans quasiment tout. Dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû. Oui, la vision de l'aigle, en fait, c'est le gamin qui l'a. Cette mécanique surutilisée. Ouais, je trouve ça aussi assez dommage, ouais. Effectivement. Moi, la première fois que j'ai vu, c'était dans le premier Assassin's Creed. Mais c'était sûrement pas la première fois, mais j'ai l'impression que ça l'a démocratisé, en fait. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression. Carreau d'arbalète, je peux en porter que deux. Qu'est-ce que c'était que ça? Non, non, c'est rien, c'est rien. Est-ce que c'est... Faut savoir que je joue au normal, hein. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu couillons. On peut jouer en difficile si on veut une infiltration un peu plus réaliste. Cette chose, c'était quelqu'un? Oh non. Mais non. Je suis invisible. Complètement invisible. Like une ombre en plein jour. Tiens, ce petit... On va le faire pour lancer le gamin quand même. Non mais faut surtout pas contrarier le gosse, hein. C'est lui qui décide de raser des régions. Oh non, je suis dans du gluon. Faut que je passe par où en fait? Ah, faut que je passe par là. J'avais pas vu. Non mais c'est la douche. Oh, non, c'est pas la douche. Merde. Mais non, mais c'est bon. Je préfère les phases avec les rats quand même que les phases d'infiltration comme ça. Ils savent qu'on est là. Non. Tu penses? Allez. Ils nous ont vus. Oh non! Je croyais qu'il était derrière moi. Là, il y en avait un peu trop, là. Milieu d'herbe, meilleur ami des personnages en infiltration et des Pokémon! Bonsoir, Yuyu! Allez. On y va doucement. C'est rien. Y'a R. Non. Qui êtes-vous là-bas? Ah mince, je pensais vraiment que ça l'atteindrait, ça l'a pas atteint. Ça l'a atteint. Oui, j'ai compris que t'aimais pas ça, mais j'ai compris. Des bisous. Ici, avec moi.
Il en faut pour tous les goûts. Ok. Gros bug. Oh, putain. M'énerve. Ça sert à quoi que je fasse la fumée si ça... Ça fait pas ce que ça fait d'habitude. Je comprends pas. On va y arriver, on va y arriver. Bonne nuit. Monte. Là. Oui, bien sûr. Allez. Cette chose. Cette chose. Oh non. Bon. Je sais plus comment courir, ça m'énerve. Je suis passée par là. Quoi que ça fasse. Ou pas? Invisible. On se déploie et on les trouve. Je suis une fougère. Non mais là en plus il faut qu'il me tombe dessus pour me voir, t'sais. Ça me fait beaucoup rire. Je vais m'écarter, je vais mettre un petit peu genre là. Voilà. Non. Il le suppose. Je pense que ça va être compliqué. Bon, alors j'ai eu un... Le problème c'est que j'ai eu un... Un checkpoint à un endroit où le garde va me tomber dessus. En fait, j'ai pas eu un super checkpoint. C'est pas très très fou. Non, il y a R et A. Ok. Ok. Oh putain. Non mais là, mais regardez ça! Ils sont 40! On y est presque, Amicia. Regardez! Oui. Heureusement que le scénario accepte que je sois cachée là, parce que c'est n'importe quoi, hein. Let's go. Tais-toi, Ego. Oui, ferme-la, Ego. T'as des soucis, là. Oh. C'est bon, j'ai fait le tour. Je suis une lavande.
Non mais please. Non mais ne t'arrête pas s'il te plaît. Allez, on court, y'en a marre. On sort du coufoune. C'est bon hein. Ah on court. Si on court putain. Oh, supportable, t'appuies sur le bouton, le ça c'est tout lent. Oh là là. Oh la gamine là, elle va pas bien. GG, bon merci, mais j'ai fait nawak. Merci. Non, on partira d'ici. Je te protégerai. Je te protégerai. On ira ensemble. Oui. Il faut qu'on... Ça fait un peu peur quand c'est. Quand c'est Hugo qui dit ça. C'est passé quand même. C'est vrai. Tu sais. Oh, ça sent trop mauvais. Des cadavres. Ne meurs pas. Je suis si fatiguée. Non, salut Naruto Uzumaki. Tu ne peux pas dormir ici. Allez, réveille-toi. Quoi? Non, non, ils arrivent. Amicia, vite. Amicia, réveille-toi. Bah ils arrivent, c'est toi qui décides en fait mec. C'est quoi ce pourquoi? Avec moi. Encore. Ils vont nous voir. Je fais quoi? Ah, Amicia. Ah. Oh ouais, je contrôle les rats. Oh, ça défonce. Oh, c'est trop kiffant. Mais un rat, Hugo. Quoi? J'ai pas rêvé. Oh, tu te réveilles. Est-ce que tu vas bien? C'est trop cool. Que s'est-il passé? Des rats. J'entends des rats. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi? Hé! Hey, des rats! Tu vois ça? Des rats! Oui! Prochainture de DBD. Je prépare mes affaires et je go sur la route. J'ai 1h30 de trajet. Et boulot direct. Ah oui, d'accord! Ah, tu pars au boulot maintenant? Repose-toi. Bon courage, oui. Je m'en occupe. J'espère que t'es pas trop crevé. Tu vas voir. Oh, mais ça défonce, ça, je veux ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout! Absolument pas, je suis en forme. Bon, d'accord. Oui. Tu peux te lever. Eh bien, fais bonne route et fais bien gaffe. J'ai pas le choix. Doucement. Allez. Il y a du loot là, je vais y aller. Tu les as vraiment contrôlés? Oui. Ils me laissent les utiliser. D'accord. Ouais, je commence vraiment à être... être full dans pas mal de trucs. Bon. Là, je peux peut-être. Voilà. Et là, pareil, c'est quoi? C'est de l'alcool? Ok. J'ai optimisé. Alchimiste! Super les succès qui te niquent pas du tout du tout l'immersion. Merci. Ouais, d'accord. Mais ça ne m'arrange pas tout à fait. Hein. Ah oui, il faut que je fasse l'autre truc. C'est ça ou c'est ça? C'est ça, hein. C'est ça.
pas contre les rats pour qu'ils te laissent tranquille. Bah, c'est vrai que ce serait pas mal, ce serait genre une superbe idée. Je les entends toujours dans ma tête. Tu les as contrôlés comme avant. C'est différent. Cette fois, j'aurais dû me dépêcher, zut. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La Dracula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Ah mince, je pensais que c'était par là. Je fus déçu. Bon bah j'ai looté un petit truc. Bon bah ils sont occupés là, c'est bon, ils vont pas me tuer si. Ils vont me buter, c'est ça. Ah, ils commencent à venir là. De la lumière pourtant, hein. Ils viennent sur moi, mais je suis dans la lumière, quoi. Je suis pas. Ok, je suis pas une lumière de torche, mais la lumière du jour, c'est censé. Énerve. À moins de sortir du bâtiment. Quoi. C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. Qu'est-ce que je dois faire là? Tu dois faire très attention. D'accord. Bah c'est pas ça la sortie, je crois. Bah je sais pas en fait. Ok. Aucune idée, attendez, on va chercher. Des grands vases, mais après je sais pas si je pourrais m'en servir pour jeter des pots et les allumer. Je sais pas du tout. Tu veux pas m'aider, gamin ? Je vais faire ce qu'il y a. Ah, c'est pas par là la sortie. J'avoue que c'est pas très clair. Alors. Bah, je vais tenter un truc.
Oh, il y a une porte là en dessous. On va voir si ça marche. Ouais. Des oubliés à ceux qui vont se coucher. Salut Ravenson, bisous au thé. Venez en thé. Franchement ça passe. Oh non, please. Bah j'y pépé en fait, je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. J'ai fait toutes les issues possibles. Faut que je fasse un truc avec la roue, peut-être. Oh là là, la fatigue. Et par là, on va vérifier. Ah, mais il y a une porte là. Putain. Dommage, mais voilà. Au moins, je sais que c'est là. L'écran blanc, stop! C'est insupportable. Let's go. Comme avant. C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Je commence à avoir froid. Dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer. Alors, on va faire une petite... On a l'arme à l'aise. Alors, offre à Missy la possibilité d'améliorer son équipement n'importe où sans utiliser l'établi. Ouais. Ah, ça peut peut-être être bien un tirail. Je vais prendre un tirail. Let's go. J'imagine que c'est là la suite, mais je vais monter pour voir s'il n'y a pas des trucs. C'est chiant les animations. C'est chiant qu'on puisse pas dire aux gamins, reste là, j'arrive. Qu'est-ce qui brille là-haut? Ah non, c'est juste la lumière. Oh, du tissu, tout neuf. Ah vas-y, ok. Le bandage est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. Oui. D'accord. Faisons ça. Ah, voilà. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. C'est mieux, j'espère. Les souvenirs, quelle couleur tu veux? Comme ça, d'accord. Bon. Du coup, j'ai juste débloqué un souvenir en allant là. Pas de petit loot, rien. Mais non, mais il m'en veut. J'ai pas fait ça. Ouais, c'est un souvenir. En vrai, si c'est pour pas essuyer le sang avant de mettre le bandage, pas intérêt. Regarde la taille de cet endroit. Encore ? Comment on va ? On va y arriver. Ne meurs pas. Pas encore. Ils ont dévoré tous ces gens. Laisse donc. Elle est restée avec son bandeau dégueulasse. Bah écoute, ça change pas grand chose parce que franchement, vu tout le sang qu'elle perd, le bandeau il sert à foie même. Je te protégerai.
Ouais, protège-moi, j'avoue, fais des trucs là avec les bêtes là. Amicia, il y a des rats cachés dans les cuves. Peut-être que tu pourrais les faire sortir. Ça marche pas. Bien fait pour eux. Oui. Mais reste prudent. Oui. Ne fais pas les mêmes erreurs. Voilà. T'emporte pas. Tu dois garder le contrôle sur eux. Je contrôle. Carrément une couverture. Ouais, ça va être génique là. Je vais t'ennuyer. Amicia, attends. On a de la compagnie. Attention. Oui, je rêve. Contrôle. C'est trop cool, c'est vraiment trop cool. C'est trop kiffant. Oh genre, pourquoi t'es une poussieuse toi? Il y en a trop. Oh, c'est pas drôle hein. Bon, on est un peu plus tranquille là. En free. Ça fait plaisir. On va se promener un petit peu. La plaque elle est sympa, ouais. C'est vrai que c'est assez cool quand tu contrôles un peu les rats et tout. C'était un peu le point culminant du premier. Parce que ça arrive qu'à la fin. L'aboutissement un peu. Et dans celui-là, pour le moment, c'était assez... C'est la première fois que je le fais, en fait, c'était exploité. Mais je suis pas contente que ce soit en fin de cas. Hop là. Ok. Parce que j'ai pas trop à faire... j'ai pas grand-chose à faire ici, à part peut-être loot 2-3 trucs. Ah, je peux voir ça. Voilà, ça mène là.
Hey, ouvrir une porte. Ok. Pour se barrer. Attendez, on va peut-être se mettre là parce que ça a l'air d'être un peu abrité. Ouais, voilà. On est un peu caché là. Comment ils savent qu'on a perdu du zombie alors qu'ils étaient dans leur petit truc là ? Magas ça ? Cherchez les intrus ! Appelez si vous voyez quelque chose ! Quelqu'un rôde pas loin ! Cherchez partout ! Tout de suite ! Encore une étape d'infiltration. Encore une. Regardez ça. Te voilà enfin. Ah non, c'est pas infiltration ça. Invulnérable aux attaques. Attends, faut que je fasse quoi ? What ? Te voilà enfin. Bon. Non. Briser son point, son point faible. Les rats, non ? Faut que je fasse ça, 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 ça. Non. Comme ça, petit salopard. Peut-être que c'est possible. Oui. Attends, je fais ce que je peux. Hein. Déjà, j'essaie de changer d'arme, mais je suis obligée de faire ça que à l'arrêt, ce qui est insupportable. Ah voilà, je peux faire comme ça. Non, on va l'attendre. Il est très lent. Attends, non mais... Je te déteste, Amicia. Le gars, il craint pas le feu. Non, apparemment. Il passe dans le feu, no problème. L'armure inifugée. C'est chaud. Faut que je cours. C'est quoi ça déjà? Non, j'ai pas changé. Ah. Bon allez, je la prends comme ça. C'est ça, voilà. On va courir un petit peu.
Ok, va falloir que j'allume. Mais bah bien sûr qu'ils nous ont vus, enfin. J'essaye de... Allez, change. Mais oui, le rat devrait pouvoir aider. Amicia, est-ce que ça va ? Bon bah c'est bon. Apparemment c'est bon. Ça va. Ça va. Je crois que j'ai gagné. On continue. Amicia ! Amicia ! Non ! Tu saignes beaucoup. Là, c'est eux ! Oh non, mais stop, hein ! Fatigant, là, hein ! Allez, contrôle les rats, toi. Tu es sûr ? Vas-y. C'est au-dessus de Vienne. C'est là que c'est la meilleure. Oh, merci ! Mais ça, on savait, hein. Let's go ! Mais je contrôle, t'inquiète. Et ta mère. Ok. Lutteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Il perd le contrôle, t'arrêtes pas de lui dire attention, tu vas perdre le contrôle. Massacre. Oh, avec un gamin dans les bras. Alors qu'elle a genre, elle a genre 16 ans et qu'elle... Bah il fait chaud. Sprinter, oui, je parle en sprint. Quoi ? C'est quoi ce bruit ? Oh bah c'est toi, hein, le bruit là. Hein. Je vais nous sortir de là. J'ai recommencé. Je suis désolée. Oh putain. Oh non, je pourrais plus contrôler les rats. Criminel. T'es réveillé. What happened? Il t'a sauvé. C'était un gentil. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi? Lacuna. Tata. Lacuna. Tata. Amicia. Lacuna. Tata. Et puis tout. Et chez nous, on avait un chien. Mais je le voyais pas beaucoup. Mais oui, il est mort. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Alors dans ma tête, j'imaginais que je jouais avec mon chien. Je vois. On y est ? Où est le bateau ? Où il est ? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Comment ça, on y est ? On va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes ! Ah, le bon bandeau, c'est nul. Comment ça, c'est pas le bon bandeau ? Bah si ! Ah non. Ah bah il a été changé en fait le bandeau. Je voudrais vérifier. Là il est tout neuf, ça se voit. Il a été changé pendant qu'elle était en coma je pense, non ? Ça fait deux jours là. On va voir. Si j'ai un rouge après, c'est que c'est pas bon. T'es
s'est raccommodée. Cette gamine a des rêves incroyables. C'est pas des rêves. A l'air libre. Il était rouge, oui, non, mais je sais, mais je veux dire. Il l'a pas changé, puisqu'il avait l'air vraiment bien blanc, bien neuf, quoi. Corps. Respire et détends-toi. Genre, on dirait qu'il l'a. Tu sais que ça t'attaque. Ça te réussit pas trop. Mais ils se connaissent? Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Ah oui. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir? Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Je sais pas qui c'est, je m'en rappelle pourquoi pas. Je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. C'est son papa? C'est vrai? La racaille de Provence. Je m'en rappelle pas. Beaucoup de mes hommes. Non, c'est pas son papa. Mes amis ont été tués ou ont filé. Le mec que t'as cramé juste avant. Mais non. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Non, alors non. Tu veux fuir? Oui. Non, ils se connaissent vraiment. Sert, mais vous avez peut-être la solution. Ça doit être un qu'on voit dans le 1. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie jusqu'à ce qu'on y soit. Oui, j'arrive. Fais très attention. Non, non, le papa, il est mort, ça y est, je m'en rappelle bien. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Ah oui, mais si, t'as raison, en fait. Le mec que j'ai cramé juste avant. Mais what? Mais je comprends pas, il a voulu nous tuer il y a 5 secondes. Alors, qu'est-ce que je comprends rien. Tu sens cette odeur? Eh bien, je sens les chevaux et... Oh seigneur, c'est moi ça. Non. En vrai, elle, je la tape. Ça pourquoi sent les algues. Allez, viens. Attends, il faut qu'on parle. Pas maintenant. La mer est juste là. Hugo. Ouais, c'est lui qui nous a fait important. Ça. Ah non, c'est le gars qui était en armure. Qui a essayé de nous buter. Yeah Hugo. Donne-moi tout ton or. J'espère que tu ne lui as pas dit tu pour tes rêves. Pour tout le reste. Hugo, façon de parler. Ouais, wow, bah faut faire attention en fait à ce qu'on dit dans un chat. C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit... Connard ! Au moins tu as l'air d'aller mieux. Amicia, on est là ! Ouais, puis on voit une ville à feu et à sang là-bas, c'est ça ? Hugo, tu ne m'as super, pas hein ! Super ambiance, hein ! Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à la Kuna, quoi, tu le balayes. Éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la mais nage. Comment ? Mais je comprends à peine pourquoi elle a retourné sa veste aussi vite en fait. Enfin, je comprends rien. Tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Mais je l'ai cramé, genre il est pas blessé ? C'est une bonne attitude. Enfin, je comprends... Eh, franchement, je comprends pas. Là, ça va pas. Scénaristiquement parlant, ça va pas du tout. Hein. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, hey, regardez en bas. Oh, arrêtez de courir comme ça. Ah ouais, le bouclier, c'est lui ouais. Qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Ouah, il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Je peux, Amicia ? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez ! Chargez ! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre ? J'étais chevalier. Comment ça ? Il fait rien. Oh. Heureusement qu'il y a des rats. On vient de... Bisous, Maglebindar, bye-bye. C'est vrai. Bye-bye. Bon, on va regarder ce qu'il y a là, puis on va arrêter la VOD. Hé, hey, vous m'avez vu charger ? Oui. Ouais, on t'a vu courir. Je pourrais être un soldat. C'est sûr.
Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Un jour, bah, s'il survit en fait, parce qu'il a l'air d'être un peu du genre à être très mal en point souvent quand même, le gosse. On va où ? Non mais c'est, en fait c'est moi qui tue, mec. On va aller où ? Et il y a ça. Non mais en fait c'est lui qui me suit, sauf que j'ai aucune idée d'où on va. On va dans la maison du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici ? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Un couteau. Juste devant la mer. Trop bizarre. Je comprends pas tout. Mais bon. C'est sur cette musique inquiétante et ce beau panorama que je vais arrêter la vidéo. Des bisous, bye bye.